Rebonjour à tous et bienvenue dans ces bonus de Silent Hill où je vous montrerai toutes les fins, toutes, rien à cacher, rien à faire, je suis trop un fou. Et donc par contre je suis désolé mais ce bonus risque d'être assez laid parce que c'est du gros montage, je vais pas vous montrer tout le jeu, hein, je couperai les parties inintéressantes et après pour ma pomme le montage. Donc après avoir fini le jeu, vous pouvez sauvegarder votre partie, ouvrir un nouveau bloc, ça fera Next Fear. Quand vous sélectionnez Next Fear, ça vous fait recommencer le jeu avec les statistiques de votre précédente partie, donc avec les bonus débloquables en cours de jeu, mais aussi éventuellement les bonus liés avec la fin que vous avez eu, selon la fin que vous avez eu. En l'occurrence, j'ai eu la fin très bien, très bonne. Donc ici, je récupère des stocks, hein, quand même, je me réalimente. Alors normalement, vous recommencez au même niveau de difficulté que votre précédente partie, ce qui je trouve un peu dommage parce que sinon je l'aurais fait en normal. Mais bon, moi je prendrais moins de temps. Ici sur le bureau, vous avez une pierre taillée. La pierre taillée va vous servir à avoir une fin supplémentaire. Et vous allez voir que pour avoir cette fin, il faut le vouloir. Alors, une pierre mystique ayant un pouvoir mystérieux. Si elle est utilisée quelque part, le résultat sera... Eh bien, le résultat, vous le connaîtrez très vite, puisque je vous montrerai où il faut l'utiliser, quand il faut l'utiliser, et qu'est-ce que ça va faire. Donc, pour le moment, c'est tout. Je pense que je vous rattrape à l'utilisation de la pierre, la première utilisation de la pierre, et aussi à la récupération d'un objet bonus lié à la fin du jeu, qui est la tronçonneuse. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Et nous sommes donc à l'école élémentaire de Midwich, et plus précisément sur le toit. Et c'est ici que nous allons utiliser une première fois notre pierre taillée. Observons les résultats. Cette lumière. Waouh! Alors, petite chose que j'ai oublié de préciser aussi, allez dans les options, vous verrez, la dernière fois je l'avais montré, mais vous avez des trucs genre Bullet Adjust et Auto Aiming. Bullet Adjust, quand vous allez ramasser des balles, quand c'est sur x1, vous allez récupérer par exemple 15 balles de pistolet ou 6 balles de fusil. Quand vous avez x2, vous en récupérez le double, ce qui est très intéressant, surtout si vous voulez finir le jeu rapidement et sans effort, comme je suis en train de le faire pour vous obtenir la fin. Et auto-aiming, ça pallie le problème qu'avait Harry de mettre en joue son arme sans viser avant de tirer. Mais c'est toujours aussi limitatif, il faut être vraiment au corps à corps pour que ce soit quelque peu utile. Enfin, que le pistolet soit vraiment utile au corps à corps. Je vous retrouve donc pour la prochaine utilisation de la pierre. Mais avant toute chose, il serait de bon ton d'aller récupérer un petit objet bonus fourni par la fin du jeu. À la gas station de Silent Hill, qui est juste ici sur la carte, tel que vous le voyez. Entrez ici. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors, voyons. Oh, un bidon d'essence, intéressant. Et un point de sauvegarde. Autre chose, non? On pourrait pas prendre la caisse pour partir, ça a l'air d'être la seule encore en bon état, et on a de l'essence, ça tombe bien, non? Non? Ah non, c'est vrai, faut qu'on se tape Cheryl. Enfin, qu'on la récupère. Littéralement. Allons ensuite chercher quelque chose avec lequel on pourrait utiliser, je sais pas moi, l'essence. C'est pas passé loin. Alors juste pour que vous fassiez une idée, je traîne un peu parce que je cherche quand même des stocks en route. Mais je viens de torcher l'école en 20 minutes, une demi-heure là, même pas. Donc c'était assez rapide. Donc là je vous le montre en live comment y accéder parce que c'est à deux pas. Au lieu de faire un coupage tout pourri, en plein milieu. Qui sert à rien. Da, la 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 la. Yes! Et nous avons ici une tronçonneuse. Prenez l'essence. Utilisez-la. Magnifique dessin. Bon. Nous venons de récupérer la tronçonneuse. Ouais! It's time to kick ass and kick ass. Viens là, saloperie! La vengeance! La vengeance! Aïe! Bon, elle est pas aussi efficace que ce que je me rappelle. Je crois que c'est dans Silent Hill 2 où elle est vraiment meurtrière.
Parce que là, le chien est en train de me démonter plus vite que ce que j'aurais cru. Come on! Allez! Viens là, petite... Merde! Allez! Putain, mais c'est pas vrai! Oh, non, mais sans déconner, quoi. Mais... Putain, mais c'est pas vrai! Bon, alors vous voyez, c'est pas... Bon, ça marche aussi à l'arrêt, hein. Tiens! Mais... Ah oui, bon, pour être un peu plus ingénieux, t'as une tronçonneuse dans la main, tu donnes des coups de pied. Alors la tronçonneuse est une arme, ma foi, assez peu efficace, étrangement. Elle est rapide, mais elle fait assez peu de dommages. Par contre, l'avantage, c'est que quand vous la tenez comme ça, en parée, vous faites des dommages avec, hein. C'est la scie, elle tourne et ça fait des dégâts. Je vous retrouve un peu plus tard. Alors, de retour au la salle de contrôle du pont de Silent Hill, après avoir rencontré notre amie Talia dans la... à l'église, vous avez ici un autre item, un marteau piqueur. Alors, sachez que vous ne pouvez avoir qu'une seule des deux armes à la fois, et je n'ai jamais essayé le marteau piqueur, alors quoi. Marteau piqueur. Yay! Alors, sachez qu'ils sont illimités à partir du moment où vous mettez de l'essence dedans. Alors, vous ne pouvez pas bouger avec le marteau piqueur. C'est lent, mais il paraît que ça fait des dommages assez monstrueux. Alors, on va le garder et on s'en servira à l'occasion. Voilà, alors, normalement, maintenant, ça sera le prochain point d'utilisation de la pierre. A tout à l'heure. Nous nous trouvons actuellement devant les portes de la... Enfin, derrière les portes de l'Alchemilla Hospital. Juste après l'antique shop, le magasin d'antiquités, nous sommes revenus voir Lisa pour qu'elle nous conseille sur la manière d'accéder au parc d'amusement. En ressortant, ici, là, juste avant de vous battre contre l'aéromythe sauvage, utilisez la pierre taillée. Quoi ? Cette lumière ? En plus étrange. Et bah dans 5 secondes, dans 2 secondes, à tout de suite. Et ici nous nous trouvons donc dans le vieux Silent Hill ou Resort Silent Hill, à l'hôtel où nous avions vu la chambre de Kaufman et enfin tout le bordel. D'ailleurs, bonne chose à noter, vous n'êtes pas obligé de faire tous les trucs de Kaufman dans cette partie du jeu si vous allez pour la fin que je suis en train de faire. Sachez également qu'à partir de maintenant, c'est même plus la peine de récupérer des items. Pour peu que vous ayez un bon stock, vous en aurez plus besoin de toute façon. Donc vous voyez, moi j'ai de quoi faire. Alors je vais plus m'arrêter jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Je vous montre... Ouais. Cette lumière. C'est de plus en plus bizarre cette histoire. À dans une seconde. Alors là, franchement, what the fuck? Alors regardez la jambe d'Harry. Elle est longue, hein. What the fuck? Regardez, je marche sur une jambe. Hop, hop. C'est n'importe quoi. À dans une seconde. Et comme vous pouvez le constater, Harry a toujours une jambe manquante. C'est assez cocasse. Je suppose qu'il l'a perdue au Vietnam ou alors c'est un des enfants taupes qui lui a retiré. Bien, alors, essayons. Ouais. Cette lumière. D'accord. Eh bien, quoi qu'il en soit, moi j'aimerais bien récupérer ma jambe. Alors, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise. Harry est toujours unijambiste et je crois qu'il restera estropié jusqu'à la fin de sa vie ou avec un membre allongé d'une taille extraordinaire, tel Luffy de One Piece et le fruit du caoutchoutier. La bonne nouvelle, c'est que nous avons fini... Enfin, j'ai refini le jeu. Ouais. Je vous laisse profiter. Cette lumière.
Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair. What the fuck? C'était Silent Hill avec la fin UFO, autrement dit OVNI. Il y en a une dans pratiquement tous les Silent Hill. Vous finissez le jeu d'une manière assez particulière et vous avez une fin et une musique assez ridicule. Je vous la laisse. Sérieusement, c'était pas fantastique tout ça? Franchement, dites-le, c'était génial! Harry se fait enlever par des extraterrestres. C'est ridicule cette musique, sans déconner. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai dû finir le jeu en 1h30, 2h plutôt. J'ai bien tracé. Oui, tout à fait, oui. Oui, tu viens de le lire, oui. Oui, bah on a compris, là. Ah, mais ta gueule! Merci. Bon, allez, allez, encore un petit refrain, là. Hop. Enfin, un petit couplet. Moi, je suis désolé, je suis un peu crevé là, je viens d'enchaîner presque 3-4 heures de Silent Hill, donc j'ai plus trop grand chose à dire, et là je suis bien content de finir, et je crois qu'il faudrait pas les autres fins avant un petit moment quand même. Là vous avez quand même bien 10-20 minutes de vidéo à regarder par rapport à la fin OVNI, et pour les autres ça va être à peu près pareil, je pense que je vais les réunir en une seule vidéo par contre, parce que c'est juste des différences mineures que vous avez à exécuter vis-à-vis de Sibyl et de Kaufman. Donc voilà, ça c'est la fin la plus facile à avoir, entre guillemets, puisque elle ne requiert que d'utiliser la pierre à des endroits précis du jeu. Évidemment, faut les connaître, hein. Ça je vais pas vous mentir. The end! C'était fantastique. Et qu'est-ce qu'on gagne avec tout ça, hein? Je veux dire, se faire enlever par des extraterrestres, c'est cool, hein, mais bon, faut quand même qu'il y ait un gain derrière, hein. Alors, mode normal. Ah tiens, c'est passé en normal. Je me disais que c'était un peu un chouïa plus dur. Game clear, 2, ending, UFO, saves, 0, continues, 0, total time, 1h25 et 3 secondes. J'ai marché 371 mètres, j'ai couru 9 km 500. J'ai récupéré 130 items, j'ai tué 24 ennemis au corps à corps et 70 avec des armes à feu, etc. etc. Et j'ai un ranking quand même de presque 5. C'est moins bien que l'autre, mais bon, en même temps, en 1h30, rien faire. Et vous voyez le flingue qu'on voit en dessous, des short range shots, middle range shots, tout ça. C'est le pistolet laser. Ouais, on a le pistolet laser. Et malheureusement, quand on a un ranking pourri comme le mien actuellement là, le pistolet laser est assez faible. Il faut avoir un ranking de 10 pour que ce soit une arme de destruction massive. Mais pour avoir un ranking de 10, bonne chance. Vraiment, bonne chance. Is it okay to save? Yes, it is. So please, go ahead, make my day. Next Fear, qui sera sûrement en mode hard. J'ai très peur, j'ai vraiment très peur. Je vous retrouve donc la prochaine fois pour la fin, la mauvaise fin, la très mauvaise fin et la bonne fin. Bye! Je vois que vous allez beaucoup mieux. Ah ben je vais beaucoup mieux. Plus d'antidouleur, plus d'hallucination. J'ai mal à la jambe, mais c'est gérable.